rapprocher l'homme et la nature. Si j'ai bien compris, c'est le thème que le pays hôte que vous êtes, le Canada, pour cette journée mondiale de l'environnement, avait choisi. J'allais dire que c'est peut-être le moment magnifique pour rappeler cette injonction, mais simplement cette pensée de bon sens. L'homme n'a rien à gagner à s'éloigner de la nature, et de toute façon c'est un non-sens parce que l'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même. Et rappeler en cette journée que la clé pour réussir l'avenir tous ensemble, c'est cette alliance entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence de la nature. Ce qui peut nous conduire dans une forme d'impasse, c'est de se désynchroniser avec la nature. Nous avons une communauté de destin avec l'ensemble du vivant. L'intelligence de l'homme, l'intelligence de la nature, c'est un contrat gagnant-gagnant. Voilà ce que m'inspire cette thématique. Je vais profiter, comme vous le savez, quasiment au moment où je prends mes fonctions ici à Paris, pour réaffirmer au Canada et à mon homologue que nous allons ensemble unir notre vision, nos forces, pour maintenir d'une manière irréversible les engagements qui ont été faits lors de la COP21. Et en tout cas, bravo au Canada pour sa contribution et bonne chance pour cette journée mondiale de l'environnement.